Je me suis réveillée tôt. J'aime particulièrement la sensation d'être déjà debout alors que le monde entier dort encore. Les odeurs étaient enfin traitées et alors que je marchais près des Champs-Élysées, j'avais l'impression très fort que le printemps est arrivé. Ce matin me paraît toujours particulièrement précieux car ce sont ces moments où je me suis sentie le plus intime avec les monuments de la vie. Le musée Rodin m'a fait me sentir chez moi et c'est facilement l'un de mes musées préférés à Paris. Au petit matin, il y avait peur de monde et Mancinon dans les sculptures exquises de Rodin. Je me sentais de plus en plus connectée au grand Louvre d'art. J'adore l'aménagement de ces musées où les œuvres ne sont pas entassées dans une seule exposition, mais plutôt dispersées à travers les jardins très vastes et spacieux, qui est elle-même soignée avec attention et minutie. On peut voir comment une grande sculpture perçoit le monde différemment. Si le point de vue, la lune et le confinement peuvent libérer les couleurs, les sculptures traversent les dimensions et amènent la création de notre esprit à la réalité dans laquelle nous existons. L'une des plus belles choses de Paris est de se promener de long de la Seine vers les grandes dans différents quartiers. Faire la navette n'est pas un labeur, mais un plaisir de voir la ville. Je ne suis pas une grande fan de Paris, la seule chose que j'aime c'est la musée Picasso. Ses œuvres ont été classées par ordre chronologique. Donc, on peut suivre ces changements de pensée affectés par sa vie et les événements historiques. Je n'avais jamais compris l'art de Picasso jusqu'alors. Paris m'a ouvert les yeux sur l'art pour la première fois comme aucune autre ville ne l'a fait. Le but d'être seul à Paris ce jour-là était sans doute uniquement pour l'art. Le lendemain, alors mon dernier jour d'être seul à Paris, je suis allée à Montmartre, qui a été embrassé par le soleil et le temps clément. Je me baguais de grenier à pain et un cappuccino de The Beans and Fire, qui sont tous les deux très bons. Montmartre est doté de bonnes nourritures et de café. Si en m'essayant ici à absorber le soleil, que j'ai compris le son de Dolce Far Niente. Ensuite, je suis allée au musée Gustave Moreau qui a pris des escaliers en colimaçon signature. C'est un musée relativement petit, niché presque de Pigalle. Le bâtiment est presque comme en résidentiel
et on aurait l'impression d'être entré dans le département de l'artiste. C'était un artiste doué, pourtant il était assez misanthrope et alors passé ses dernières années de plus en plus dans la réclusion. Beaucoup de ses peintures étaient achevées, mais cela m'offre encore aperçu aux coupes de deuil de la base de grandes compositions. On peut parfois sentir ses pensées d'or du monde et son cynisme. À première vue, ses peintures pourraient ressembler à de beaux arts, mais on regarde de plus près la technique et la couleur. Ses peintures sont vraiment exceptionnelles. Ne peut être classé dans aucun genre, à mon avis. Aussi, ces toiles sont si belles. J'en suis marché jusqu'à Musée Jacques-Marc-André, qui était moins connu. J'avais initialement prévu de visiter le musée Messier de Commando, mais c'était fermé malheureusement. Ce musée abrite une remarquable collection d'art européen du 15e ou 18e siècle. J'étais probablement le seul visiteur à ce moment-là et ça m'a donné l'impression de me faufiler dans la maison de quelqu'un. La maison était si ornée mais accueillante. Finalement, je me suis repassée au parc Monceau, mon jardin privé à Paris, plus qu'il est jardin de Tuileries ou jardin de Luxembourg. Il n'est pas étonnant que je l'ai aimé dès la première regarde, car le duc de Chartres, cousin de roi Louis XVI, mais aussi voté par sa mort, et aussi un ami de Georges IV, construit ce jardin. Le duc était un amoureux de choses anglaises et alors le parc Monceau a été créé dans le style au jardin anglo-chinois ou anglais. Les prendre Carmontel a été l'un de ceux qui ont été chargés de concevoir le jardin. Il a dit « Il n'est pas nécessaire que le jardin ou la nature soit présenté sous la forme la plus agréable. » Il faut au contraire conserver le charme qu'on rencontre en entrant dans le jardin et le renouveler à chaque pas pour qu'il y ait le visiteur dans son âme et l'envie de revisiter le jardin chaque jour et de le posséder par lui-même. Il n'aurait pas pu avoir plus raison. Monet a aussi peint ses jardins. J'ai l'intention de le faire aussi. Si je pouvais, je viendrais ici tous les jours.